pétanque. Depuis presque la nuit des temps et dans le monde entier, il existe des jeux de boules plus ou moins compliqués destinés à éprouver l'adresse de ses participants. De l'English Bowl au bowling en passant par le jeu provençal, c'est presque toujours la même chose. Deux équipes, une prise d'élan et un lancer plus ou moins réussi vers une cible quelconque. Il a fallu attendre 1910 pour qu'un génie du nom de Jules Lenoir de La Ciotat ait l'idée de ne pas se fatiguer à courir bêtement et envoie la boule sans prendre d'élan, inventant le jeu à pied tanqué au sol, la pétanque. Et l'idée a fait le tour du monde. Pour preuve, le très sérieux Pétanque America International Open de Miami ou la très récente inscription d'une équipe chinoise au championnat du monde. C'est le mot de chez nous le plus répandu et le plus connu de la planète. À tel point qu'il est sérieusement question de faire entrer la pétanque aux Jeux Olympiques. Quand on pense que ce jeu a été créé justement parce que les autres jeux de boules étaient trop fatigants, il y a de quoi être fier d'être Marseillais.